Il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Il y a les hommes d'action. Quel est le nom de la source ? Et il y a tous les autres. J'ai l'immense plaisir de vous présenter le seul récipiendaire vivant de l'étoile des services secrets, Evan Lake. Oui, la CIA a encaissé quelques coups. Mais nous nous sommes relevés parce que notre pays a besoin de nous. Parce qu'au fond, c'est une question de quoi ? De valeur. Il se peut qu'on ait trouvé une piste sur Banir. Banir est encore vivant. Mohamed Banir est mort, Lake. Il est mort depuis 22 ans. J'attendais les résultats du PET scan avant de me prononcer. Alors on parle de quoi ? 8 ans et je suis mort ? La démence frontotemporale est bien plus agressive. Certains considèrent que vous pourriez devenir un handicap pour l'agence. Un handicap, c'est ce que je suis. Qui vous a dit de me faire ça, hein ? La main qui tire les ficelles, elle appartient à qui ? Evan, écoute, il te reste encore du temps. Pourquoi perdre ton temps à poursuivre quelqu'un dont l'existence même est incertaine ? Il existe, je te dis. Un créneau vient de s'ouvrir. C'est un créneau provisoire et Banir s'en sera tiré encore une fois. Je suis pas à l'aise à l'idée de te laisser y aller seul. Je suis pas sans ressources. C'est sa vie, son choix, mais toi, qu'importe le dénouement, ça va mal finir pour toi. On lui a flanqué la frousse. Mais elle réfléchit à ça depuis 20 ans. Ça va finir lorsque vous crèverez. Si je suis pas sorti dans une heure, tu fais ce que tu veux. Ces gars-là ne tombent pas morts comme ça. Alors, j'ai l'intention de faire quelque chose de remarquable.